Cher travailleur, prêtre ci, bonne fête de nous travail. Ce matin. Écoutons attentivement ce que le prêtre ci nous dit ce matin. Très intéressant. Écoutez très bien. Okay. Le vrai travailleur, c'est celui qui est créateur. Comprenez bien. Celui qui crée des emplois. Hmm? Celui qui crée des entreprises. Comment ça? Un homme qui ne crée pas d'entreprise, qui ne crée pas d'emploi, c'est un paresseux. Ok. C'est la paresse dont je parle ici, la paresse du travailleur. Tu travailles, on te paye, tu es un salarié, mais tu es un paresseux. Comment ça? Parce qu'à part ton travail, tu dois faire autre chose. Regardez les stars du football. Mm-hmm. Ils jouent au football. Mm-hmm. Là, ils reçoivent un salaire. Mm-hmm. Mais ils ont investi, hein, par-ci, par-là, ils ont investi par-ci, par-là. Et c'est ça, ils ont beaucoup d'argent. Tu comprends? Pas le salaire. À part le salaire, tu n'as rien d'autre. Tu attends seulement la fin du mois. Et toi, la femme du salarié aussi, tu attends la fin du mois. Et là, vous êtes trouvés dans une même maison, deux paresseux, attendant la fin du mois. Okay. Et je le dis souvent, il y a des gens, ils travaillent et il est licencié le jour après. La galère. Il devient pauvre. Il n'a plus. Très intéressant. Parce qu'il n'a pas épargné, parce qu'il n'a pas investi. Les travaux, écoutez. Il attend le salaire. Écoutez bien, les gars. Très important. Des choses que tu peux faire. Les jeunes qui ont fait l'université, ouais. Tu as fait l'université, la faculté où tu as étudié, tu as retenu comme assistant. Mm-hmm. Maintenant, tu es un chef de travail. C'est déjà bien, tu as un travail. Tu as un poste. Mais maintenant, la paresse peut t'attaquer là-bas. Tu es seulement chef de travaux, assistant, sans article. Tu ne publies rien. Tu ne fais plus de recherche. Toi, tu es toujours là, assistant du chef, chef de travaux. Mais tu ne publies rien. Hey. Or, on te dit qu'en publiant, tu vas te faire un nom. Waouh! En intervenant à la radio, à la télévision, ouais. On va te connaître. Ça, c'est clair. Le savoir-faire doit être accompagné du faire savoir. Écoutez bien, les gars. Montre aux gens que tu connais. Ah oui, oui. Que tu as des choses que tu maîtrises. Très clair. Que tu peux les aider en ceci et en cela. Communiquez pour vos entreprises. Oh, j'ai seulement le travail. Tu es un paresseux. Crée. Ouais. Il ne suffit même pas si de. Même si tu travailles pour quelqu'un, réfléchis. Ouais. Comment partir de ce que moi je fais? Je peux aussi faire comme lui. Voilà. Quelles sont les erreurs qu'il a que moi je ne pourrais pas rééditer dans l'entreprise que moi je vais créer? Merci. Et aussi un projet. Merci. Dieu honore les gens qui ont des projets. Oh. Mais tu n'as aucun projet. Très intéressant. Même les jeunes. Tu es jeune à la maison. Mm-hmm. Quelque chose que tu peux faire ici, ma fille. Tu peux commencer à élever les poules. Mm-hmm. En fait, si tu as 30 000 francs, mm-hmm. tu peux déjà commencer quelque chose. Voilà. Tu peux commencer. Voilà ce que je disais l'autre jour, les gars. Imagine, ans, avec un poulailler, chaque fois que tu avais l'argent, tu payes seulement les poules. Et une seule poule. Ouais. Deux ans après. C'est une paix. Comment tu seras? Un petit fermier. Ah oui. Chez toi là. Tu peux même, à l'occasion d'une fête, dire non, maman, ne dépensez pas. J'ai cinq poules ici, je vous les offre. Ouais, ouais. Tu es devenu un garçon responsable. Tu n'as pas l'argent. Mais le peu que tu as eu, tu l'as investi dans cette petite. Très clair. Ah oui. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, oh, les wow, reflets, vraiment. Des habits. Président, Faro Faro. Des chaussures. Vraiment. Il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Ah oui, oui, oui. Eh, c'est une chaussure. Toi, tu es encore pauvre. Tu es piéton. Tu vas payer des chaussures de 300 dollars. Et chaque jour, tu fais le piéton. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi, paye les ketchs. Hmm? Les gros ketchs là. Quand tu es piéton, c'est des gros ketchs. Oui, tu marches, ça ne finit jamais. Tu n'es pas véhiculé. Tu vas payer des chaussures qui coûtent cher. Et chaque fois, sur ton avenue là, c'est plein de cailloux. Vraiment. Tu vas payer des chaussures. Oh. Ma fille, là, dans ton quartier là, c'est plein de cailloux sur la rue. Tu payes les talons. Sous les cailloux. Mais tu vas les abîmer. Paye d'abord pantoufles. Perfect. Très intéressant. Un jour viendra. Nous ne sommes pas créatifs. Mm-hmm. Quelqu'un termine la formation que nous recevons de nos universités, tu termines les études, tu commences à chercher du travail. On ne nous a pas formés pour que, ayant terminé les études, tous veulent être des fonctionnaires. Du travail. Nous puissions inventer. C'est ça la paresse. Ne considérez pas l'entrepreneuriat, les gars. Vous ne pas travailler. Il y a des gens qui font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ah oui. Ce sont des paresseux. 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Il y a des gens qui sont des travailleurs. Mais pas reçu. Ah, Dieu nous dit. Si, il a fini avec. Nous voulons que la fin, le pain se multiplie. Travaillons.
Travaillons, les nous gars. Nous prions, c'est très bien. Bon nous son. Travaillons. Bon son. Nous travaillons, c'est très bien. Nous prions. Marchons avec les deux. C'est vrai. L'Afrique doit se réveiller. Nous avons tant de temps. Travaillons et prions. Vous changez les choses. Regardez nos villages. Depuis des siècles, les maisons sont toujours construites de la même manière. Les villageois ont de la paille gratuite dans nos savanes. Nous avons du bois. Mais regardez les types de maisons que nous construisons depuis des siècles. Ça ne change pas. Les gens n'ont pas dit aujourd'hui, nous n'avons pas d'étoile, mais nous devons avoir comme toiture de la maison, mettre un peu plus de paille. Non, chercher un peu, mettre un peu de l'esthétique, construire ces maisons-là en ordre. J'ai eu souvent quand je vois le village de Kirikou. Vous voyez le village de Kirikou là, dans ce dessin animé, vous voyez un village bien construit. Hein? Les maisons en huttes, mais il y a de l'ordre. Je dis, mais ça, on donne une bonne idée hein, de l'Afrique. D'arriver chez nous, c'est pas comme ça. Nous avons ces huttes-là, hein, ces maisons-là en paille, mais mal construites en désordre. Nous n'avons pas le sens de l'esthétique. Depuis des années, nous n'allons pas accuser l'homme blanc. Il ne nous a pas interdit d'agrandir nos maisons au village. Donc, c'est des petites pièces comme ça. S'il y a un blanc qui est là, qui est pour quelque chose. Nous vont construire ça, les blancs ne viendront pas, ou l'homme politique ne viendra pas nous arrêter si nous arrangeons nos maisons. Ah oui. Ne racontons pas des histoires. Et à notre part de responsabilité, nous avons aussi un problème avec la paresse de notre communauté. Vous comprenez? Juste un espace pur. Et on se prend après. Ok. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.